En fait, moi, je suis venue à l'athlétisme après avoir vu et avoir été marquée par un duel en longueur, Lewis Powell, devant ma télévision, et ça a été un choc. Voilà. Le lendemain, je suis allée m'inscrire au club de la ville dans laquelle j'habitais. Et puis, ce qu'il y a de bien avec l'athlétisme, c'est un sport qui coûte pas cher, quoi. Une paire de baskets, et puis c'est bon. Voilà. Donc j'ai voulu faire de l'athlétisme pour Carl Lewis, et puis aussi pour Merlène Otte. Ça a été vraiment les deux athlètes qui m'ont fait rêver. Même si j'étais en surpoids et que ça faisait très longtemps que j'avais pas fait d'athlétisme, le placement, il était là. Même si je manquais un peu de gainage, mais les bras, les jambes, enfin, tout était là, quoi. Donc il fallait juste que je me décrasse, que je maigrisse et que je me resculpte, entre guillemets. Moi, j'étais plus comédienne. Enfin, tout d'un coup, même à un moment donné, bon, ça m'a fait un peu de mal, mais je survivrai. À un moment donné, c'était même pas de la plaisanterie, c'est que je me suis prise au jeu et j'ai dit à Bruno Gagère, « Bruno, tu crois qu'en travaillant, je peux être prête pour Londres ?» Regardez, il m'a dit non. Ça m'a flinguée. J'ai trouvé ça dégueulasse de casser un rêve comme ça. Mais bon. C'est extraordinaire. C'est très difficile à décrire parce que c'est un instant magique. Vous êtes traversé par une électricité ambiante et par une atmosphère assez dingue. C'est très difficile à décrire, mais c'est très fort. C'est très puissant.